c'est par monsieur homme. C'est pareil que vous avez une ressemblance confondante avec monsieur Lothbard. Bizarre, bizarre. Moi, je ne trouve pas de ressemblance. Il y a peut-être un état d'esprit assez particulier pour me décrire. Bon, je comprends très très mal cette confusion et cet état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Moi, je ne vends pas mon âme pour un plat de lentilles. C'est tout. Ça s'arrête là. Et je considère que je ne suis pas disposé à ce que les Martiniquais soient servis sous forme de miettes, quoi. La méthode n'était pas bonne ? Ah, pas, absolument pas. Alors, quelle serait la meilleure ? Négocier, pas discuter, pas faire des réunions techniques qui couvrent des mécanismes et des organisations de décision pour cautionner les décisions qui sont prises au niveau national. Regardez l'affaire de l'article 55. Vous imaginez la catastrophe qu'on aurait pu avoir si jamais ce n'était pas tombé. Nous sommes en train de chuter démographiquement et puis on nous propose une solution de repositionnement, de remplacement. C'est quoi ce machin-là ? Non, on dit clairement non, on n'est pas d'accord. On y dit qu'il y a des choses à avancer, on fait un même tableau pour tout le monde, il n'y a pas de différenciation des régions. Il faut respecter Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut respecter Mayotte. Mayotte a une problématique qui est très particulière. Et je soutiens Mayotte dans son combat. Mais ce n'est pas le combat de la Martinique, c'est pas le combat de la Martinique, ce n'est pas celle de la Réunion. Donc on négocie pays, par peuple, région par région. Je ne peux pas participer à ce que j'appelle une mascarade de débat et de discussion technique, ça n'a pas de sens. Alors maintenant... C'est ma nature et mon caractère, donc je ne peux pas changer. Dans ce courrier, vous étiez plusieurs signataires. Monsieur Serville a finalement participé. A priori, les exécutifs de Guadeloupe ont participé aussi. Tout le monde... Non, absolument pas. Je me sens dans ma dignité et je suis très fier de ne pas plier facilement à quoi que ce soit de cette nature à partir du moment qu'on met en cause l'intégrité du peuple que je représente. Ça s'arrête là. Ça, c'est pour la mieux. Bah, pas qu'accepter miettes, ça qu'il est accepté miettes, qu'accepter miettes.